Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, oui ça fait longtemps, sur ma Super Mario Galaxy, premier du nom. Je sais que les autres se posent sur... Ah je suis bas, attendez. Je dessine ça. Ah mais je suis bon. On va faire une nouvelle partie. C'est parfait. Je prends Peach. Il tourne. Je suis contente. On va essayer de se dépêcher. Parce que c'est déjà une minute. Tous les 100 ans, une comète apparaît dans le ciel au-dessus du royaume Champignon. Nanny, la comète était si grande qu'elle couvrit le firmament. Et de cette comète tomba une pluie d'innombrables étoiles filantes. L'étoile ramena ces étoiles filantes au château où elle se transformait en super étoile. Cela résulte une grande joie que les sceptres sur le champignon. C'était la nuit du festival des étoiles, qui s'était tous les 100 ans en l'honneur des bénédictions de la comète. Cher Mario, je vous en demande le château de source du festival des étoiles. J'ai quelque chose à vous remettre. Peach. J'oublie. Non, pas parce que sinon je me suis un face que j'ai pas trouvé. Donc. Le décret d'étoile. Attention! Oh. Oui, je suis Bowser. Oui, je suis Bowser. Ouch. Ces éclats d'étoiles, pour l'instant, on a des bonbons, mais ils sont en fait des éclats d'étoiles. Qu'est-ce qu'ils sont censés ici, hein? Je vais faire une boîte top, c'est pas. Dans mon histoire, dans mon dernier chapitre, je vous jure, j'ai fait une petite blague. Ouais. Si vous n'avez pas lu, je vous conseille de le lire. Bon, je fais ça parce que c'est mon histoire et je veux que j'ai pas lu. Non. C'est juste que. Je vous conseille que ce soit que moi qui lise les chapitres. Parce que ça, je suis triste. Je me sens seul. Donc ma prochaine histoire, je tiens à faire que ce soit sur Ruby Omega. Ruby Omega, juste Ruby Omega parce que j'ai pas joué à ça. J'ai joué à Ruby Omega mais j'ai pas joué à Saphir Alpha, donc c'est Pokémon. Hein. Ils ne connaissent pas. J'ai vu juste un billet. De toute façon, je cherchais une idée. Je cherchais. Je me disais qu'est-ce que je peux faire pour ensuite, quand j'aurai fini l'histoire de Space Mario Bros. J'ai trouvé, ce serait Ruby Omega. Princesse Peach, j'ai découvert cette histoire de naissance de ma nouvelle galaxie. Ce festival est terminé. Je pense qu'en France il dit Princess Peach je découvre c'était la naissance de la galaxie que j'avais créée. C'est pour embrasser les étoiles. Personne dit ça. Je ne sais plus. Parce que moi c'est pour la version québécoise. C'est pas pour des étoiles. Le chemin. Après c'était par là, bah allez-y. Disons juste que... Aidez-moi! J'arrive! Disons juste que les tas de majesté des capes avec elle, c'est pas très courageux. Hein. De toute façon, les tas sont jamais courageux. Non.
Quelque chose, ça, je sais pas moi. Ça va, ça prend la ligne droite. Ça fait tchic 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 tchic. Ça va pas la ligne droite. Tum, 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 tum. Oui. Peach, je fais tomber le château. Bon, ça va aller, c'est quand même un méchant de Peach. What the fuck? Non, mon gars, je me sais pas ce que là. C'est bizarre quand même. Enlever un château. S'il n'a pas fait jusqu'à enlever son château. C'est débile. Si c'est ça, quelqu'un ferait des lives aussi. Ce que je ferais des lives sur la 3DS, je peux checker le chat. Si je suis seul, mais là. Ici, je fais ça sur la vidéo, je crois pas. Désolé. Si on fait réveiller, jour. Ah, qu'est-ce que je fais dans vous? Il va falloir les attraper. Si je ne laisse pas le jeu, si je l'ai pas vu, je vais les attraper. Je vois un cache-cache. Si on attrape tous, on se dit quel est cet endroit. Je sais qu'il y en a un dans l'herbe, un autre dans le trou, dans le trou, puis un dans un tuyau. Commencez par ici. Ici, on est ici en ce moment. Voilà. Laissez tout de suite. Tu m'as attrapé. Ah, j'aurais dû me cacher dans le cratère. Ok, on a ici. J'arrive, j'arrive. Je me donne des indices. Tu m'as attrapé. Ah, je sais où je vais te cacher dans un tuyau. Vous voyez? Je vais te mettre. Vous voyez? Et c'est tout ce que je peux te faire. Moi, je sais pas qui est sorti. C'est de la vidéo. Ok. 6 hours later. Voilà. Je n'en avais pas que je me sois pas attrapé. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte dans la vidéo? Au bout, je me suis attrapé. Peut-être que ce sera vraiment des mamans. Je suis déjà sur les vidéos de YouTube sur YouTube. Voilà. Donc je sais qu'il passe tout le chemin ici, moi je fais ça. Ça se pégoule. Bonjour mon ami.
Oui, c'est une vieille qui s'appelle Rosalino. Et alors? La rue française. Il y a longtemps que je regarde depuis cet endroit. Le portail s'est nettoyé. J'essaye la face, mais pas très folle. Alors. Je me nomme Rosalina, la vigie des cieux étoilés. Pour ce essai qui vous est cher, vous aurez besoin de pouvoir de voyager à travers l'univers. Oui, en plus, l'humain, c'est plus l'humain, c'est Jinko. Peut vous donner ce pouvoir, je vous le confie. Mais c'est nous, plus pourquoi il a appelé Chico? Ça, c'est en japonais. C'est bizarre, vous êtes tombé les nez sous la tête. Tout comme vous, Akamala s'est abattu sur nous. Avec Chico, j'espère que vous pouvez secourir les grandes étoiles. Que les étoiles vous protègent. Harmonie s'est volée! Alors, je le sais. On le sait qu'elle s'est volée, mais non. Donc on va arrêter ici les gens, mais c'est déjà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Allez lire l'histoire parce que.